En vrai, ça me fait rire, parce que jusque-là, j'ai pas été en danger pour récupérer mes loot, mais là, il y a deux boss qui me courent après, putain! Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Spirit Hunter Infinite Horde. Encore un incroyable Survivor, parce qu'en ce moment, j'ai une grosse période Survivor, j'en profite, ça me donne trop envie, j'aime beaucoup ces jeux. Sorti l'an dernier, 3,99€, on est donc dans le panier, on va dire, moyen des jeux comme ça. J'ai un petit peu joué, je trouve que le jeu est très intéressant, on va avoir un gros arbre de trucs à débloquer, assez dingue, hein, à vrai dire. Avec pas mal de choses, on va débloquer des spells, les spells on va pouvoir les upgrader en mettant des petits points dedans, genre là, hop, voilà, hop, non, j'ai pas assez, si, hop, là, j'ai pas assez, il faut que je tue des rats, voilà, il faut que je tue des rats pour débloquer ça, parfait, des personnages à débloquer, bien évidemment, hard mode, merde, j'ai débloqué un mode, je voulais pas, au secours, hop, très bien, ça, il faut que je tue des chickens. On fait plein d'upgrades, c'est cool, ouais, moi j'aime bien. Hop, c'est bon, on a tout utilisé. Alors, on va voir plein de personnages que je n'ai bien évidemment pas encore débloqués. Et on a le choix entre différents personnages qui vont avoir un passif, et puis un spell, et puis voilà. Attends, mode locked, purchase this mode in Divinity Web. Oh putain, il y a plein de trucs à faire en plus. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir son arme de départ. Je trouve ça assez chouette. Je vais jouer le mage, qui est assez simple, je pense, un challenge 1. Et je vais jouer la tornade que je ne connais pas, tout simplement. Et on va se mettre sur le premier level. Bah, je vais peut-être me mettre en hard mode. Il y a plus de drops, ok. Monster HP increase by 100%, Monster increase 10%, Heroic 90%, ok. Vas-y, tu sais quoi, on joue en challenge direct. Bas les couilles, avec une arme qu'on connaît pas, ça se trouve elle est nulle. Et je vais passer pour un gros schlagos. Ok, parfait. Est-ce que c'est dans une direction précise les tornades? Ça t'arrête les mobs? Je sais pas. Ok, à côté de ça, on est sur un truc assez standard. Hein. On a une barre d'XP en bas. On a une barre aussi... Oh putain, il y avait de mobs. Non, mais tire au bon endroit, putain, tire sur les ennemis. On a... Là, ici, dès qu'il y a des têtes de mort, ça va être des named. Oh putain, je vais vous montrer comment on perd, je crois. Faudrait que je chope vite une deuxième arme. Vas-y, yes. La truc de feu, ça peut être pas mal, l'Orbital Fire. C'est vraiment un jeu où je la trouve cool parce qu'elle dote. Même s'il n'y a qu'une seule, malgré les améliorations, il n'y en aura qu'une seule. Alors on a le droit qu'à 4 armes max, je crois. Et une fois qu'on... En fait, d'abord on l'unlock et après on a les upgrades. La faux, c'est cool. Ah, ça se peut être bien. On baisse le cooldown, pardon. Les spears, c'est hyper fort. Ça sort du sol, ça fait des dégâts à tout le monde. On va un peu upgrader comme ça pour le moment. Ok. Alors vous voyez, il y a la merde. On va prendre ça. Il y a la flamme qui touche. Et après, elle les dot. Donc c'est assez chouette. Et on va pas pouvoir upgrader directement dans les levels les dégâts de la flamme, mais uniquement les dégâts du dot, ce qui en vrai est assez, assez cool. Increase size, ouais, vas-y, des plus grosses tornades, ouais. C'est plus gros c'est mieux c'est, hein. Ah, il y a un aimed, ouais, c'est vrai que j'avais vu sur la map en bas qu'ils allaient pop assez vite. Il y en a même un deuxième qui va arriver bientôt, j'ai l'impression. Donc attends, ouais, c'est manier le cul. J'ai un ulti, ceci dit, j'ai un ulti, bouge-toi. Ouais, alors c'est moi que tu veux victime? Putain, mais ils veulent pas mourir. Les gros machins. Ok, hop. Ah, il y a un truc qui s'unlock. Il y a pas mal de choses sur la map à déverrouiller en restant autour du truc en question. Ah, oh, putain. Putain. Ouais, mais les trucs là, les petites abeilles là, elles ont vachement de PV. Putain, c'est chaud de la bite. Ah, putain, ils m'ont pas donné de vie. En plus, ils vont vite tous ces ennemis de merde là. Il y en a un autre qui a pop, The Named. Rotation speed, ça peut être pas mal. Faire plus de dégâts. Mais je veux bien que tu meurs, toi. Stop. Je veux pas mourir. Stop. Alors, on se met à côté du truc. Ouah, mais t'as qu'à cesser. Au secours. Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. On retourne dedans. Est-ce que le name est mort, le premier? Ouais. Ah, il y a un coffre. Yes. Alors, le coffre, il va se débrouiller beaucoup plus vite vu qu'il vient d'un boss. Comme si on avait assez souffert. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, quelque part, quand même. Yes, oh, trop bien. Dégâts. Ça, plus gros, ça peut être pas mal. Ça fait des dégâts aux ennemis qui marchent dessus. Et si c'est plus gros, ben, ça fera plus de dégâts directement. Ça touchera plus d'ennemis, en tout cas. Yes. En fait, ça va me servir de shield. Ah, putain, ça crée des ennemis, ça. Oh, faut que je les bute. Attack size. Ouais, vas-y, plus grosse tornade aussi. On fait un build gros machin.
Vu qu'on est suivi par un gros machin, je pense que c'est une bonne idée. Vas-y, on prend de l'XP. Alors je trouve très très amusant pour un jeu comme ça, la musique qu'ils aient choisie, qui est très... Alors je vois la sonorité, on est dans un level avec du sable et tout, je vois un peu le côté presque, j'ai envie de dire, oriental, même si c'est très réduit. Mais je trouve ça assez, assez rigolo, parce que dans les jeux comme ça, c'est soit des musiques un peu façon Castlevania, souvent qu'on retrouve, soit des musiques calmes, et là on est sur un truc un peu drum and bass, un peu quand même lent pour de la drum, mais je trouve ça rigolo, je trouve ça très rigolo, et visuellement j'aime beaucoup, putain de merde, Chris me bat quand ça bat les couilles. J'aime beaucoup le jeu, c'est une bonne surprise, et quand je vois le truc d'upgrade encore une fois, je trouve ça assez fou. Ah putain, c'est le bon moment pour faire mon upgrade. On va aller frapper tout ça là. Yes, fais-moi de l'XP. Fais-moi de l'XP. Rotation. Vas-y, est-ce que je peux? Radius, ça va être un peu plus loin comme ça, les flammes. Radius, ça va être un peu plus loin. Je me rapproche moins. Wouah! Comment je vais passer? Je viens d'ulti. Comment je passe? Hop, le size. Vas-y. Parce que les tornades, elles repoussent. Donc c'était peut-être le meilleur bail à faire. Putain, ça va être chaud. On a survécu, hein. Je dis ça va être chaud, mais on est quand même bien sorti de la merde. Il y a un autre boss qui a pop. J'ai même pas encore fini de fumer celui-là. Il y a de la vie. Vas-y. Ah putain, c'est quoi, monsieur? Alors, en plus, il y a plein de boss différents. C'est trop bien. Alors, c'est des versions évoluées des named, hein, mais c'est pas grave, c'est trop bien. Hop, vas-y. On récupère, on fait le chemin inverse, c'est important toujours. Turn damage, vas-y. Ah yes, il split quand il meurt. Ah putain, fais chier. Tu pensais que t'avais fini avec moi? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est de l'XP, ça? Non, je sais pas ce que c'est. Ah yes, il est mort. Ah, il va me... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un ennemi? Je l'ai dit, je suis pas venu ici pour souffrir. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi de merde? On dirait un ennemi qui vient de la... J'allais dire de la Reine des Neiges. Pas du tout. La Belle et la Bête. Tu peux te mettre à chanter, s'il te plaît, pour moi? Speed, ouais. Hop. Voilà, là, on passe. Ok, c'est passé. Il y a un coffre, on va essayer de... Enfin, une boîte plutôt. Yes. Il y a un shop. Shop, ça va être cool. Putain, il y a un autre boss qui pop, tout va bien. Alors, soit on récupère... Ah, qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Dig, loot toutes les 10 secondes, ça peut être cool. Scoop, il coûte combien? J'ai pas assez. Donc, arrête de le regarder comme ça. On va prendre ça. Et on va prendre... Bah, je peux plus. Donne-moi l'XP s'il te plaît. Putain. Vous pouvez pas me donner l'XP direct plutôt que de la balancer partout? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est comme si j'allais, je vais au McDo, je me prends un menu et on le jette dans la rue, genre on va le chercher, enculé. Putain. En vrai, ça me fait rire, parce que jusque-là, j'ai pas été en danger pour récupérer mes loot, mais là, il y a des boss qui me courent après, putain. Oui, il y a de la vie, il y a de la joie aussi. Vas-y, on va upgrader ça, les dégâts. Vas-y, ouais. Il y a encore de la vie là. Yes. Putain, mais lui, il pose des châteaux de sable, le mec, il a cru qu'on était à la plage. On est pas à la plage, ok? Tiens, l'éthique de dégâts. Vas-y. Dégâts. Ça suffit pas, au secours! Plus un tornado. Oh putain, je suis sorti tout pile. Alors là, putain de merde, le timing parfait. Muy perfecto. Pas de vie. Alors, j'ai repris pas mal de vie, ceci dit. Je suis quasi full life. Et je pense que quand je fais des dégâts, vu que c'est une espèce de forme de vampire, je pense que je récupère de la vie. En ulti. Ça pourrait être intéressant. Ce serait logique. Pas ce qu'on veut dire avec la gueule. Wouah, putain! Toujours plus, putain! Comment je vais faire? Putain! Il y a un mode de difficulté au-dessus, vous voulez dire, c'est ça? Hein? Comment? Bon, il faut que je upgrade un peu les spells et tout. Hein. Faut pas crier « Oh mon dieu, c'est trop dur je vais plus jamais y jouer !» Non, faut jouer en normal, tranquillement, débloquer un autre perso, tranquillement, on va prendre ça. Upgrader la taille des fougères. Lui, il m'a à l'œil, là, j'ai l'impression. Hein. C'est très drôle, ça, monsieur. Pas du tout. Est-ce que ça draine la vie? Oui, ça draine la vie, monsieur. Voilà, c'est ça, la strat, ça qu'on veut voir. Hop, on upgrade les tics de dégâts et on sort de la zone vite. Les dégâts de tics, vas-y. Ah ça c'est bien, ça c'est de la ressource pour débloquer des nouveaux trucs. Intéressant. Je pourrais pas, c'est trop dur. Je pourrais pas le récupérer. Ah yes, un pet, vas-y.
Ah oui, parce que l'autre, j'ai pas pu l'acheter, c'est vrai. Scoop. Ah putain, je prends trop de dégâts. Je prends trop de dégâts, au secours. Au secours, au secours. Ah putain, je suis mort. Du pute. Ah, fuck. Oracle. Qu'est-ce que j'ai de nouveau que je peux débloquer? là, y a un... c'est un perso, ça? Non, pas du tout. Si, je pense. Ah, j'ai débloqué un perso. Ah oui, Maxine. Ah ouais. Bah, ce sera pour une prochaine game, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je le trouve cool, ce jeu. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez, salut!